Donc l'agence Pertinence, donc, c'est une agence que j'ai cofondée donc, avec une autre personne donc, qui s'appelle Clémence Campèche, qui est mon associée. Donc on est deux femmes chefs d'entreprise et on est fiers de l'être. Non pas que, voilà, il y a quelques garçons parmi nous, mais c'est vrai que la communication est quand même une filière où il y a beaucoup de, un public féminin. Mais c'est bien d'avoir aussi un peu de diversité quand même. En tout cas, tout ça pour vous dire que l'agence Pertinence est une agence qui intervient beaucoup sur le branding et tout ce qui est positionnement de marque. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard tout à l'heure, parce que c'est vraiment, on va dire, la concrétisation de mon parcours, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Concrètement, donc, on l'a cofondée en 2019, donc une année assez particulière, puisque c'est une année aussi où je suis devenue maman. Donc j'ai eu deux bébés cette année-là, je vous en reparlerai peut-être aussi, bon pour l'instant vous en êtes un petit peu loin évidemment de votre côté, mais un jour ça viendra. Donc j'ai eu deux bébés en 2019 et ça a été très dur, mais j'en suis très contente aujourd'hui, voilà. Concrètement, donc on intervient donc sur des problématiques essentiellement de marque, donc on va adresser aussi bien un public de PME, alors les PME, c'est un vaste monde, hein. Ce sont des sociétés finalement qui existent. Il y en a beaucoup en fait en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine. On a un tissu qui est très fourni en PME et aussi en TPE, mais nous les TPE, on ne peut pas trop les accompagner, puisque c'est un public malheureusement qui n'a pas forcément aussi un budget derrière qui permet de faire appel à des agences, même si on n'est pas une agence non plus parisienne, hein, mais on a quand même des tarifs d'agence. Donc c'est pour cette raison-là en fait qu'on accompagne essentiellement donc, des PME, tout secteur d'activité. Beaucoup de B2B, donc le B2B, donc on adresse donc des entreprises qui elles-mêmes adressent des clients finaux qui sont donc des professionnels et non pas des enseignes par exemple qui vont adresser des clients finaux qu'on appelle B2C. Tout ça, vous avez dû en parler déjà en cours ou vous allez en parler en tout cas prochainement. On intervient aussi beaucoup auprès de start-up. Donc l'univers de la start-up, je vous invite évidemment à vous intéresser à cet univers parce que c'est un univers très très riche. Déjà pour vous en tant que personne et aussi parce qu'on a l'opportunité de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, des femmes, des hommes, peu importe, qui ont des projets, des concepts et donc nous on est là pour les aider à quelque part concrétiser en fait leur concept marketing. Voilà. Donc on les aide à la fois sur la partie vraiment branding marque, donc on va travailler sur la raison d'être, leur raison d'être. Donc ça c'est un concept qui me tient beaucoup à cœur, si ça vous intéresse on pourra en reparler aussi un autre moment ou tout à l'heure. On a une raison d'être en tant que personne et les entreprises aussi doivent avoir une raison d'être et si elles n'en ont pas, c'est compliqué. Voilà. Mais en tout cas généralement elles en ont. Concrètement, on intervient aussi sur tout ce qui est valeur d'entreprise, la promesse, qu'on appelle la promesse client. Je ne rentre pas trop dans le jargon tout ça, mais c'est des termes en tout cas, des sujets qu'on adresse très concrètement en fait au travers d'ateliers, etc., au travers de réunions de travail avec eux. Concrètement, donc ça c'est la partie marque et on aboutit généralement à ce qu'on appelle un pitch de marque ou une plateforme de marque. Alors tout ça c'est du jargon marketing, mais théoriquement que vous allez apprendre. Quoique, moi, c'est un terme que je n'ai pas appris forcément à l'université ni dans mon parcours, mais je l'ai appris dans mes premiers stages. Voilà, ça a été des termes qui sont arrivés comme ça. Mais aujourd'hui, c'est des termes qui sont plus davantage démocratisés, en tout cas. Et j'interviens aussi sur tout ce qui est stratégie marketing. On conçoit, en fait, les plans d'action. Donc, ça a plusieurs noms. Une stratégie, alors ça veut tout et rien dire. Dans votre bouche, je pense que si là on faisait le tour de la salle, vous n'auriez pas du tout la même définition chacun. Ça serait même intéressant de le faire, mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps. Tout à fait. En tout cas, voilà, la stratégie marketing, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pose noir sur blanc les différentes actions qu'une entreprise, qu'une marque devrait en fait conduire pour augmenter sa visibilité. Ça peut être des objectifs très précis, hein, comme générer du trafic sur son site internet. Ça peut être générer du trafic en magasin si on est sur un réseau de magasins, ça peut être augmenter son taux d'engagement sur les réseaux sociaux, enfin il y a plein de KPIs, plein d'indicateurs de performance qu'on peut aussi mesurer. Voilà, donc c'est ça une stratégie en fait, hein. C'est poser noir sur blanc, je le fais court, hein, mais c'est vraiment poser noir sur blanc tout ce qu'on peut envisager comme roadmap, on appelle ça aussi une roadmap marketing. Je vous donne un petit peu de terminologie en même temps, c'est toujours bon à prendre. Il n'y aura pas de QCM à la fin, mais effectivement, c'est des termes que vous serez certainement, même très certainement amené à croiser dans votre futur professionnel. Voilà. Et donc ça, c'est une première partie en fait de l'activité de l'agence. Donc c'est ce qu'on appelle des activités en fait de conseil, des missions de conseil. Donc à ce stade-là, entre guillemets, on ne fait rien. On a beaucoup travaillé, mais on ne fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, on ne met rien en place. Mais par contre, c'est plein de jus de cervelle, c'est de la matière grise, c'est très précieux.
C'est vraiment ce que j'appelle un travail à forte valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Voilà. Une fois qu'on a fait ce travail-là sur sa marque, qu'on a posé son identité de marque, qu'on a posé sa stratégie marketing et qu'on sait en fait quelles sont les étapes à passer pour être davantage visible, je le fais en très rapide, là en fait il est temps maintenant de passer à l'action opérationnelle. Et ça c'est la deuxième partie de ce qu'on propose à l'agence. On a aussi tout un pan d'activité où on propose en fait à des entreprises de les soutenir sur leur marketing opérationnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs façons de le faire. Généralement donc, ce sont des sociétés qu'on accompagne qui n'ont pas forcément en interne des directions marketing, des services marketing et communication, ou qui ont quelques personnes mais ça reste très limité, donc elles ont besoin d'un soutien en fait en externalisation. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, mais ça, c'est pas le cas de toutes les sociétés. Et parfois, on a des entreprises qu'on accompagne qui n'ont pas du tout de compétences en interne, mais qui ont conscience que le marketing et la communication, c'est important, que ça peut leur permettre d'atteindre quelques objectifs. Et donc, concrètement, là, on est vraiment... Elles nous délèguent, en fait, on appelle ça du marketing délégué ou du marketing externalisé. Voilà. Il y a plein de métiers aujourd'hui, encore plus avec le Covid, qui sont aujourd'hui vraiment, on va dire, décentralisés des entreprises. Et donc l'externalisation, le modèle de l'externalisation est un modèle, en fait, qui clairement est en train de se développer de plus en plus. Ce n'est pas adapté à toutes les sociétés, mais clairement, ça répond à pas mal d'enjeux financiers aussi, puisque internaliser toutes les compétences dans une entreprise, ça peut coûter cher, mais aussi tout externaliser, ça peut coûter cher. Donc c'est un ratio à faire. Voilà. Je ne m'attarde pas plus que ça là-dessus, mais en tout cas, voilà. Donc on a des missions de conseil et des missions de marketing externalisé, donc qui permettent de répondre à un certain nombre de problématiques. Donc on rend des comptes à nos clients, tous les mois on a des comités de pilotage, on organise ça avec les équipes, on mesure la performance de ce qu'on fait avec ces fameux KPIs. Qui a entendu parler de KPIs parmi vous? Personne? Ah si, un petit peu quand même. Alors moi, pour être tout à fait, non mais je vous mets à l'aise, hein, j'en avais pas trop entendu parler au début dans mon cursus, mais les KPIs, donc les Key Performance Indicators... Voilà, je vous invite à regarder. C'est des indicateurs de performance, c'est très important. Alors, vous allez forcément être amené à un moment donné à mesurer, en fait, si votre stratégie fonctionne ou si elle ne fonctionne pas, ou si elle fonctionne en partie. Enfin, c'est jamais noir ou blanc. Et pour ça, il faut mesurer des indicateurs. Donc là, on se parle de chiffres, on se parle de quantitatifs. Et concrètement, ça permet justement de savoir dans quelle proportion, dans quelle mesure, ce que vous avez préconisé à une entreprise ou ce que vous avez préconisé pour votre entreprise, hein, si vous êtes chez l'annonceur. Vous vous souvenez, hein, il y a les annonceurs d'un côté et les agences de l'autre. Voilà. Vous vous souvenez, je ne sais pas, vous avez conscience de ça déjà, que c'est deux mondes différents? Non? Vous allez l'apprendre du coup certainement prochainement. Enfin, je pourrais en reparler aussi. Moi, je n'ai fait que le monde de l'agence. Voilà, je ne connais pas le monde des annonceurs. Voilà. Mais c'est avec eux que je travaille tous les jours parce que ce sont mes clients. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'agence? Vous avez d'autres... Oui, il me semble que vous avez un modèle particulièrement agile. Oui, on peut en parler. Voilà, donc je l'oublie, c'est un petit peu parce que maintenant je me suis trop habituée. En fait, on est sur un modèle un peu particulier d'agence, puisqu'on est sur un full remote. Donc le full remote, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez? Alors c'est à distance, oui et non, parce que nous c'est un vrai full remote. On joue un peu sur les mots. En fait, le remote, c'est jamais simple, ce serait trop... Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que concrètement, le remote, c'est un modèle qui existe finalement depuis déjà plusieurs années. Hein. C'est pas, on n'a pas inventé le modèle du remote. Avec le Covid, ça a été largement accéléré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus de bureau physique. Voilà. Donc pendant 2 ans et demi, 3 ans, on a eu des bureaux physiques. Et là, ça fait 9 mois qu'on a pris la décision, qui n'est pas anodine, de laisser nos bureaux et notre équipe dans la nature. Voilà. J'exagère un petit peu, s'ils sont pas complètement dans la nature, on a posé des règles, un cadre de travail particulier, on se parle tous les jours, visio, en physique, on se retrouve à droite, à gauche, dans des cafés, dans des halls d'hôtels. Alors ça peut paraître très bizarre ce que je suis en train de vous raconter, si on m'avait dit un jour que je raconterais ça. Je l'aurais pas cru, parce que moi je viens pour le coup d'agences, vraiment de grosses agences où le modèle du remote n'existait pas du tout. Mais concrètement, voilà, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Et on va très souvent, du coup, passer quelques heures pour des ateliers de travail, des réunions,
des rendez-vous divers et variés chez nos clients. Donc en fait, nos clients nous accueillent très chaleureusement et on prend beaucoup de plaisir à le faire puisque comme ça, on est immergé chez eux et ça nous permet d'être encore plus proactifs dans des recommandations, dans des conseils qu'on peut leur donner et d'être vraiment sur le terrain. Donc c'est très important. Et puis on a des temps aussi, on est à domicile, donc là c'est le fameux télétravail dont on parle aussi beaucoup depuis quelques années, aussi accéléré par le Covid. Voilà, donc c'est un vrai, c'est pour ça que je dis un vrai faux remote, puisqu'on est quand même concentré à Bordeaux, toute l'équipe est à Bordeaux. On ne travaille pas avec des gens qui sont à Lille ou qui sont à Lyon ou à Marseille, donc c'est quand même un modèle particulier. Voilà, donc autre particularité aussi de l'agence qu'on a à cœur de développer, c'est un modèle, on va dire, qu'on pourrait juger d'agile, voire de très agile. Volontairement, en fait, alors on a testé déjà plusieurs choses en l'espace de 4 ans. On a testé d'internaliser certaines compétences. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a recruté et qu'on a créé des CDD, des CDI, les bons vieux CDI qu'on connaît depuis très très longtemps, auxquels nous, et ça je l'assume, on ne croit pas forcément sur le long terme, puisqu'en fait le monde du travail change énormément et le CDI n'est pas la seule solution. Et d'ailleurs je vous invite surtout à ne pas penser que c'est la seule solution. Vous ouvrirez beaucoup de portes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se traduit très concrètement chez nous, c'est-à-dire qu'en fait, on va travailler avec beaucoup d'indépendants, de freelances. Vous connaissez les freelances? Oui. Donc ce sont des gens comme nous, mais qui travaillent en fait de manière indépendante et qui ne sont pas forcément dans une société salariés, qui sont à leur compte, qui eux-mêmes n'ont pas de salariés, mais qui sont des experts de leur métier. Voilà. Et donc nous, on va faire appel à des photographes, on va faire appel à des vidéastes, on va faire appel à des agences, à d'autres agences. On travaille beaucoup avec d'autres agences finalement, qui vont être spécialisées en fait sur ce qu'on appelle des verticales du marketing et de la communication. Donc ça peut être de l'acquisition payante. Voilà, ça, tout ça, c'est des termes. Alors forcément, là, je vous matraque de termes techniques, entre guillemets, mais en fait, pour vous, ça sera très facile d'ici quelques mois et années. Donc, on va faire appel à une agence qui va faire de la publicité payante sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà. Nous, ce n'est pas notre métier. On n'est pas spécialiste, en fait, sur ce sujet. Donc, concrètement, en fait, en fonction des projets clients que l'on a, des problématiques qu'on doit adresser, on va créer ce qu'on appelle des équipes projets. Avec à la fois des personnes qui font partie de l'agence. On a pas mal, donc on a quand même deux CDD chez nous. On verra si on les garde ou pas en CDI, ou si en fait on les laisse partir ailleurs, ou s'ils ils continuent à travailler avec nous peut-être sur un modèle de freelance. Tout est possible en fait. À partir du moment où il y a de la confiance et une envie de travailler ensemble. Et concrètement, ça nous permet en fait d'être très agile. C'est-à-dire qu'on n'est pas pieds et mains liés à des personnes, eux non plus. Donc ils ont la liberté de travailler aussi avec d'autres agences. Ils ne sont pas forcément « enchaînés », entre guillemets, façon de parler, à pertinence. Donc ça permet une agilité. On peut, pendant 6 mois, on ne va pas travailler avec ces personnes-là. Et puis 6 mois plus tard, on va retravailler avec eux parce qu'il y a un projet, qui se présente et on a besoin de leurs compétences. Voilà. Donc c'est vrai que le mot agilité, il est plutôt, je pense, bien choisi. Je pourrais en reparler pour ceux que ça intéresse. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est assez atypique. Et en même temps, c'est pas si atypique que ça, finalement. On en aurait parlé il y a 10 ans, oui, ça aurait été atypique. Mais aujourd'hui, franchement, il y a plein de sociétés qui travaillent sur ce modèle-là. Donc voilà, je dirais que l'agilité, c'est presque un prérequis aujourd'hui quand on monte une boîte, ou en tout cas, même si on ne monte pas une boîte, c'est bien d'être agile dans sa tête. Voilà. Que vous dire d'autre? On parle de projet aussi ou pas? Je ne sais pas si on a le temps. Oui, quelques minutes. Ouais. Oui, c'est une bonne idée. Alors après, je vous invite évidemment à regarder sur le site internet de Pertinence. On a mis pas mal de nos références clients. On décrit pas mal les projets qu'on a conduits avec eux, la façon dont on les a accompagnés. Voilà, donc je peux vous parler plus précisément de Sobio. Je ne sais pas si vous connaissez Sobio. C'est une enseigne de magasins bio spécialiste qui historiquement en fait est implantée dans la région sud-ouest. Ça fait 15 ans, enfin là ça fait 17 ans cette année pour le coup. Et quand je les ai rencontrés, ça faisait 15 ans, c'était leur anniversaire des 15 ans. Concrètement, c'est une enseigne qui s'est développée vraiment de manière géographique concentrée ici et qui a souhaité en fait se développer d'un point de vue national. Et là, ils sont en plein dedans.
Bon, entre-temps, ils ont quand même été aussi rachetés donc, par le groupe Carrefour. Donc, il leur a aussi donné un élan aussi assez positif pour se développer sur le plan national. Donc, Sobio, c'est une très belle enseigne. C'est un peu vraiment un projet, je dirais... coup de cœur pour ma part, où vraiment là on a eu un accompagnement de A à Z quasiment. Hein. En tout cas, on les a accompagnés donc, sur la plateforme de marque, donc cette fameuse plateforme de marque dont je parlais tout à l'heure. Donc on a redéfini toute leur identité. On a travaillé main dans la main avec leur directrice marketing, puisqu'ils ont une directrice marketing en interne, et une équipe assez fournie qui s'est étoffée aussi d'année en année avec différentes compétences. Ils ont internalisé pas mal de compétences aussi. Malgré tout, ils font quand même appel à nous sur certains sujets, quand il y a des campagnes un peu spécifiques, quand ils ont besoin d'un conseil un petit peu extérieur. Voilà, donc c'est aussi un moyen pour eux de prendre un peu d'air, de prendre d'autres conseils, puisque nous, on n'est pas à l'intérieur. C'est aussi l'avantage d'être à l'extérieur de l'annonceur, façon de parler. Que vous dire d'autre ? On les a aussi accompagnés donc, sur leur stratégie marketing annuelle. Et donc, si ça vous intéresse aussi, je vous invite à regarder. Donc, vous tapez Sobio, plateforme de marque sur Google. Et vous allez voir quelques retombées presse aussi qui en ont parlé. Donc ça, on était très fiers, puisque c'est aussi une récompense quand on accompagne des entreprises de ce type-là. Et qui ont parlé justement de l'accompagnement qu'on a pu avoir auprès d'eux. En tout cas, ça a été un très joli projet. Je pourrais en reparler évidemment en tête-à-tête si ça vous intéresse. En fait, il y a à peu près 14-15 ans, j'étais à votre place, en fait. Donc, je ne pensais pas un jour, venir expliquer un petit peu mon parcours, puisque j'étais comme vous, assis sur une chaise, en train d'écouter sagement et attentivement soit un enseignant-chercheur, soit des professionnels, on les appelait comme ça, les professionnels, qui venaient, des experts aussi, ça c'est le grand terme qu'on aime bien utiliser, qui venaient prendre la parole. Et c'est vrai que c'était des temps très précieux. Un peu aussi comme vous, il y a eu un moment un peu charnière où j'ai eu une révélation sur un professionnel, ou une révélation, c'est un peu fort comme terme, mais quand même un peu, un professionnel qui était venu passer une matinée, nous expliquer, c'était vraiment du retour d'expérience, donc il nous parlait de son métier, il nous parlait de ses journées, il nous parlait de comment il travaillait, il nous avait montré aussi des documents sur lesquels il avançait. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Et là, pour le coup, j'étais en Master 2. Mais avant ça, il s'est passé 2-3 trucs. C'est-à-dire que jusqu'au Master 2, jusqu'au OM1, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est normal. Pas d'inquiétude. Vous avez encore un peu le temps. Mais quand même, prenez les choses à bras-le-corps et n'attendez pas que ça vienne à vous. Je tenais à vous faire passer ce message-là. Donc concrètement, par quoi j'ai commencé ? Donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation, donc le fameux DUT Tech de Co. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ici. Tech de Co, voilà. Bon, voilà. Voilà. Donc, 2 années merveilleuses qui m'ont très vite plongée dans l'univers professionnel, puisque dès ma première année, j'ai dû faire un stage. Je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai pris mon téléphone, parce qu'à ce moment-là, j'envoyais encore mes CV et mes lettres de motivation par courrier. Ça paraît dingue, mais aujourd'hui, on ne fait plus du tout ça. Bon, quoique, j'ai déjà reçu un CV, il n'y a pas très longtemps, par écrit. Mais bon, comme quoi, il y en a encore. Mais non, quand même. Ensuite, donc, en deuxième année, donc, j'ai poursuivi, pareil, avec un deuxième stage. J'ai un peu tout testé. Pour moi, c'était des opportunités de tester, d'expérimenter. Donc, première année, j'ai quand même fait tout de suite dans une agence de com. Donc, j'étais quand même un peu attirée par cet univers. Deuxième année, je l'ai fait dans un journal. Parce que j'étais un peu attirée aussi par l'univers de la presse. Bon, je n'ai pas du tout été dans cette voie-là, mais... j'ai quand même voulu tester un petit peu. Et ensuite, j'ai fait ma troisième année, parce que j'avais un petit peu le complexe en me disant j'ai fait un bac plus 2. Parce qu'à la base, à l'origine, les DUT n'étaient pas faits pour continuer ces études. En fait, c'était vraiment des diplômes professionnalisants, on les appelait comme ça. L'objectif était de s'insérer sur le marché de l'emploi au bout de 2 ans. À l'époque où je l'ai fait, il y avait quand même cette idée. En fait, il y avait plusieurs parcours et moi, j'avais pris le parcours poursuite d'études. Ça s'appelait comme ça. Parce que dans ma tête, de toute façon, je voulais continuer. Donc, j'ai candidaté dans plusieurs facs, à Lille, à Nantes, Bordeaux. On m'avait parlé de l'ISIC, je ne connaissais pas du tout. C'était un prof à moi qui m'avait parlé de l'ISIC. Et j'ai fait, ça me plaît bien, c'est pas mal, il y a pas mal de parcours. Donc, j'ai fait une licence 3. J'ai rattrapé en fait la licence 3 après ce DUT. Alors là, c'est choc des cultures.
parce que c'était pas du tout l'univers que je connaissais en fait en DUT. Alors j'étais dans des amphis aussi, mais on avait beaucoup de TD plus que quand j'étais en licence 3. On avait plus d'expérience professionnelle, on va dire, sur le terrain. Mais en même temps, c'est ce que je voulais. Je voulais en fait avoir une culture que je n'avais peut-être pas eue en fait en DUT. Et là, j'ai été servie, clairement. J'ai fait de la sémiologie, j'ai fait des cours de gestion de projet en licence 3, je m'en souviens, j'en avais aussi. J'ai fait des cours très théoriques aussi sur l'histoire de la communication, les grandes théories de la communication. Et c'est important. Alors, c'est pas forcément que vous allez vous en servir tel quel sur le terrain, parce qu'il faut être clair, c'est pas, vous n'allez pas vous en servir à proprement parler. Mais ça vous forge l'esprit, et c'est très très important. Il faut en avoir conscience. Voilà. C'est comme les cours de maths au lycée, on se dit, mais à quoi ça va me servir d'apprendre les racines carrées, trucs mûches, voilà. Et bien en fait, si, ça vous forge l'esprit, ça vous apprend la structuration, c'est très important, la rigueur. Voilà, c'est comme une dissertation, ben, ça vous apprend aussi, voilà. Bon, passons. Et ensuite, au bout de ma licence 3, j'ai voulu, parce que je ne voulais pas m'arrêter non plus, donc j'ai enchaîné sur un master, où là, je n'ai pas cherché non plus à aller plus loin, parce que j'étais très bien à l'ISIC. Et j'ai fait le master 1, alors je ne sais plus exactement l'intitulé, c'était stratégie et produits de communication. À l'époque, ça s'appelait comme ça, mais ça a dû changer entre temps. Et j'ai continué aussi sur ce Master 2. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond. Voilà. Donc, parcours universitaire à 100%. Voilà. Merci. Oui. Merci beaucoup. Je fais très court. Oui. Je regarde l'heure, il est... Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle hein, pour gérer son stress. Je pense qu'effectivement, c'est le temps qui fait que... Moi, une de mes managers, quand j'ai commencé, que j'avais 21, 22 ans, ma première présentation devant un client, j'étais comme ça. J'essaie de pas trop le montrer, mais franchement, j'en menais pas large. Et elle m'a dit un truc qui était effectivement très juste, c'est que même au bout de 15 ans, elle, de son côté, ressentait toujours un stress de toute façon quand elle faisait une présentation devant un client. Et là, je suis redescendue en pression, je me suis dit, ok, donc en fait, il faut juste que j'apprenne Algérie à vivre avec. Et évidemment, le temps fait que bon, bah, ça s'atténue un petit peu, parce qu'on se rôde, parce qu'on est dans, on se met dans des zones de confort, justement. Et en fait, c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on stresse, puisqu'en fait, on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas, et c'est ça qui génère la peur, le stress, etc., etc. Donc, il faut l'accepter. Et je pense aussi, pour relativiser ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec la communication, où il y a un stress qui, à mon avis, mais 10 000 fois plus important. Alors, c'est ce qu'on dit aussi, nous, chez Pertinence, mais on ne fait que du marketing et de la communication. Et je pense qu'il faut savoir relativiser aussi nos métiers. On ne sauve pas des vies, on n'invente pas des vaccins, etc. Enfin, je veux dire, voilà. Évidemment, quand je dis ça, c'est, y a un côté ironique, évidemment, mais quand même, je le pense sincèrement. Donc oui, il y a un stress, mais justement, pour moins stresser, il faut prendre de la hauteur et se dire, ok, je ne fais que du marketing. Et effectivement, si j'ai laissé un accent dans mon paragraphe numéro 15, c'est pas grave. Voilà. Pour relativiser un petit peu les choses, je finirai là-dessus. En tout cas, le seul conseil que je pourrais vous donner, après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais n'attendez pas tout de l'université, n'attendez pas tout d'une école, si un jour vous allez dans une école de commerce ou autre, peu importe, faites les choses par vous-même, soyez proactifs, renseignez-vous. Aujourd'hui, il y avait la French Tech, je ne sais pas si vous étiez au courant, par exemple, voilà. C'est pas du tout une question piège ou quoi que ce soit, mais juste pour vous dire, même si c'est en première année, deuxième année, renseignez-vous, regardez ce qui se passe autour de vous. Prenez contact, en fait, sortez-vous de l'univers aussi de la fac et vraiment, bah, en fait, allez vers l'extérieur et ouvrez-vous. Et c'est ça qui va faire que vous allez construire votre réseau et ça va se faire petit à petit. Évidemment, c'est pas en Master 2, vous allez avoir 150 personnes dans votre réseau, on s'en doute bien. Mais c'est quand même, à mon avis, une bonne clé pour commencer, voilà, dans la vie professionnelle.